Yo les gars, c'est Jeffrey. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de ma carrière joueur, toujours avec Villarreal et surtout toujours suspendu. Souvenez-vous, on avait fini très très mal le dernier épisode, notamment avec ce carton rouge reçu face au FC Barcelone, alors qu'on était pas, on va dire, mort. On pouvait vraiment revenir, mais j'ai fait le con. Et j'ai craqué, j'ai taclé un joueur après une paire de balles, et c'est bête, et je me suis pris un rouge. C'est mérité, ça me remettra les esprits en place. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on aura. On a notamment l'Espagnol où on sera suspendu, ça c'est sûr et certain. On aura le retour face à SKSTURM où normalement on devrait le faire vu que c'est qu'en Liga. Après, je ne sais pas si je suis suspendu de match. Si c'est le cas, je ne pourrais pas jouer non plus Elche. On aura également le Betis, Braga et peut-être Rayo Vallecano. On va voir un petit peu comment ça va se profiler, tout ça. En tout cas, j'espère que vous, ça va les gars. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager si mon contenu vous plaît toujours autant. On va s'entraîner. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, en tout cas. On va continuer jusqu'au match. On va juste faire un petit point classement. Hop. Alors, du coup, après cette défaite à Barcelone, on est quatrième avec 23 points. Séville qui s'envole, donc va pas falloir être trop loin d'eux dans les prochaines rencontres. C'est-à-dire pas perdre. On va voir aussi nous, niveau info, est-ce qu'on a du nouveau? Info club, ok. Rien de fou, bon j'imagine qu'on n'y est pas dans les joueurs du monde, voilà ouais. Ça n'a rien de regarder. Ok, ben on va y aller les gars, je vous souhaite bonne chance. Je vous regarde, simulation rapide. L'équipe est pas mal de notre côté. Je crois en vous. Espagnol, Barcelone en plus, ils sont bien classés. Aïe, 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 aïe. La défaite, 2 buts à 1. Ça commence très mal cette vidéo. Putain, ouais. Et ouais, ils sont bien classés, l'Espagnol, Barcelone. On va voir du coup juste combien on est au classement avant de s'attaquer à la première ligue, à l'Europa League, pardon. Alors, Espagnol Barcelone 3e, du coup, et on passe derrière le FC Barcelone. Ok, ça va être dur, ça va être dur ce championnat. On partait si bien, mais là, je pense que rien que le carton rouge, en fait, ça passe à nous plomber la saison. Mais en tout cas, c'est un gros poids qu'on va devoir surmonter, contourner comme on peut. On va se réentraîner. Si c'est possible, ouais, parfait. Pour pouvoir disputer la rencontre de la meilleure des manières. Donc, en Europa League, par contre, on est très bien. 3 matchs, 3 victoires. À nous d'assurer. J'ai accepté. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, il va accepter les offres de transfert. Bon, bien sûr, on va les rejeter, les gars, comme je l'ai dit. On s'en fout. Tu as purgé ta suspension. Ok, donc j'avais qu'un match. Ça, c'est bien. Hop, hop. On s'en fout. Allez, continuez. On y va pour ce match, même si l'entraîneur ne veut pas que je reste. Je vais tout faire pour conserver une place de titulaire et surtout pour nous emmener le plus haut possible avec mes coéquipiers. Ok. Allez, on va passer ça. On en a vu assez, je pense, dans la carrière. Petit tifo. Et on est parti pour ce match. Et attention à la première occasion. Mais le gardien qui s'interpose. Attention à cette action! Oh là là. Ok. Derrière. Super. Saint-Maximin qui me retrouve l'extérieur et c'est dedans. Le coup de génie là-dessus. À la 30e minute. Pour nous mettre devant. Première action. Premier but. Il a fallu attendre pour l'avoir cette action. On n'arrivait pas à bien combiner. Cette fois, c'est chose faite. Saint-Maximin qui m'a super bien trouvé là, l'extérieur. Je pense que c'était la meilleure décision. Elle est très bien partie. 1-0 les gars. Pour l'instant, on est qualifié en 16e. Ok, je pars dans l'axe. Je me retourne. Je vais pas pouvoir y aller par là. Saint-Maximin, je t'ai vu. Saint-Maximin, je t'ai vu. Saint-Maximin, je t'ai vu. Je lui rends l'appareil avec cette passe décisive. En moins de 10 minutes, on vient leur clouer le bec. Peut-être le futur duo de cette équipe, Saint-Maximin, Jeffreys. Incroyable. Très bel appel, hein, c'était facile après de lui mettre.
La belle prise de balle qui m'a permis de m'orienter vers le jeu et vers sa Maxima qui finit super bien. Ok, fin de la première mi-temps les gars, on est très bien, 2-0. On a mis du temps à se créer des occasions, mais maintenant que c'est fait, on marque et on réussit ce qu'on entreprend, donc c'est cool. Du côté de Braga et de la Nicosie, 2-0 pour Braga, d'accord. Bon, après, chez eux, c'était un peu sûr. Mais on va reprendre, les gars, et finir ce match. Et attention, parce qu'il a trouvé et réduit l'écart de buts à 1. Va falloir faire attention, on sait jamais. Là, ils ont bien joué. À cette action, il est un peu excentré. Mais il arrive à la remettre derrière. Oh, le poteau qui nous sauve et c'est pas fini. Ok, c'est bon. Non, ça revient dans ses pieds. Quelle parade. Bien joué. La belle passe. La belle passe. Je peux y aller avec ma vitesse. Je peux y aller. La remettre en retrait. Et bien sûr que oui, je vais le faire. Jonathan David qui marque le but qui pour l'instant nous libère de ce match dans lequel on a failli se faire piéger, même si c'est pas fini. Là, on refait un petit peu de jeu, ça fait plaisir. Ma vitesse a fait parler après le retrait de Jonathan David qui finit super bien en une touche. Bien joué. Bien joué. J'y vais. J'y vais. J'y vais. La frappe. Oh, elle passe à côté. Allez, faut se dégager, faut se dégager. Ok les gars, fin du match, on est officiellement qualifié pour les 16e de finale, ça fait plaisir. On en avait besoin de ce genre de récompense on va dire, parce que là en Liga ça commence à aller mal, malgré un bon début. On va voir du coup ce que ça a changé. Braga qui s'est bien imposé face à la Poel, Nicosie. Trophée d'homme du match, un but et deux passes dé pour moi, même si c'est vrai que j'aurais même pu mettre un triplé. J'ai mal joué mes coups. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ok, ouais, on va rester en Liga. Pas besoin d'aller voir. On sait déjà où on est à peu près avec Villarreal en Europa League. Mais en tout cas, le club se qualifie à la face à élimination directe. C'est parfait. Ok. Ben, c'est tout ce qu'on a à voir, j'ai envie de dire. On va continuer, je sais. Ouais, on peut s'entraîner en vrai, non? Ah non, on n'a pas assez de jours, d'accord. On va du coup simuler une autre rapide. Ok, on est sélectionné par l'Italie. Je tenais à t'informer que je t'ai sélectionné. Pourtant, on n'est pas si bon en ce moment, donc ça fait plaisir. Offre de transfert de l'Inter. Putain, les clubs italiens, c'est un truc de fou, hein, comme ils me veulent. Mais non. Joueur appelé en sélection, du coup on y est. Donc ça va changer un petit peu la vidéo, j'imagine, à part le match face à Elche. La suite, ce sera sûrement l'international. C'est où? Saison, calendrier. Ouais, c'est ce que je disais. On va du coup jouer l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce serait cool qu'on joue une compétition européenne avec... Enfin, ou même la Coupe du Monde, mais du coup, je sais même pas en quelle année on est. Donc, pas sûr qu'il y ait la Coupe du Monde, on va voir. On est en quelle année? 2025. Ouais, je sais même pas si on aura l'Euro. C'est en 2026, du coup, la Coupe du Monde. Ah ben non, ben, il y aura la Coupe du Monde, non? Parce que là, on est encore... Ouais, non, normalement, il y a la Coupe du Monde. Si je me trompe pas, on verra bien. Ok. Bon, on va y aller face à Elche. Marseille qui me veut. Non merci, j'ai dit que je restais ici, je le resterai. On va jouer le match, on est titulaire, on a tout pour nous les gars. On est parti. Allez, face à Elche, les 14e de Liga, face à nous. On a besoin de reprendre confiance dans cette ligue, en vitesse, pourquoi pas la passe. Bien joué, ce qu'on fait là, magnifique cette action, ah, il la met pas au fond. Ok, c'est pour nous ce genre d'occasion. Magnifique, le relais, incroyable, 1-0, qu'est-ce que c'est bien joué. On va se la revoir, le petit décalage, il la remet en talonnade, très très bien, et la finition parfaite, bien joué, Duarte. Je suis passé, putain. Super,
Super, je l'ai enroulé, c'est dedans. Avec un peu de chance, c'est pas exactement où je voulais la mettre. En tout cas, ça rentre. Ça rentre, pardon. 39e minute, les gars, on marque. Ça fait plaisir. Là, on enchaîne les buts. On va la revoir. Il me la met très, 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 très bien. Je voulais l'enrouler plus à gauche, je vais pas vous mentir. En tout cas, ça surprend le gardien. Je sais pas comment c'est possible. Mais il est battu, ok. Il partait du mauvais côté au début, bizarre. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Oh là là, ce qu'il fait là. J'ai rien eu à faire. Jonathan David qui a été troué. La lucarne. Et qui vient creuser un peu plus cet écart qu'on s'était créé. 3-0. On va se revoir ça quand même parce que c'était beau. Montrez-moi ça. Voilà, bien joué derrière. Et là, il la remet. Pleine lucarne opposée. Bien joué. Ok. Fin de la première mi-temps. On est super bien, les gars. Si ça continue comme ça, ben, il devrait pas avoir de soucis. On va repartir de plus belle. Le Real qui mène 1-0. Et Betis et Cadix qui font un partout. Très bien. Très très bien. S'il arrive à me trouver, je la finis tranquillement. Mais bien sûr, le doublé, on n'avait pas pu l'inscrire avant. Cette fois, c'est fait. 4-0. On explose tout le monde pour le moment. Espérons que ça continue ainsi parce que ça fait du bien. Et ça nous donne de la confiance. Encore une très belle action. J'ai même pas demandé le ballon. Je savais qu'il allait me la mettre. Après, la finition. Plus tranquille. Allez, je suis passé. La balle du triplé. La balle du triplé. J'aurais pas la vitesse pour y aller. Mais je peux revenir. Mais je peux revenir. Je peux revenir. Mais bien sûr que je peux revenir. C'est facile. Donc, on s'en lasse pas. Incroyable. 5-0. On en profite, les gars. Ils sont passifs derrière. Nous, ça nous fait des buts au niveau personnel, collectif. Et ça fait du bien, vraiment, comme je l'ai dit. Incroyable. Là, je passe entre les deux. Il me laisse faire, le mec. Donc, pourquoi pas. Hein. Et après la finition, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus jolie, mais elle est dedans. 5-0. Ok. Fin de cette rencontre. Explosion de buts. Et le ballon du match pour moi, bien sûr. Je pense qu'on sera sans aucun doute homme du match. Ce sera le deuxième d'affilée, même si c'est pas la même compétition. Ça fait du bien vraiment. 2-1 pour le Real, 2-1 pour le Betis, d'accord. Eh, je sais même pas si je suis homme du match, hein. Ils ont pas l'air de me montrer. Je sais pas. Bonne question. En tout cas, on passe avec l'Italie en amical international. C'est pas la plus excitante des compétitions, on va pas se mentir. On va juste regarder ici ce qu'on a de nouveau. Ok, 3 buts. Leader d'invincibilité. Ok. 5 matchs sans but encaissé, c'est pas mal, hein? C'est bien. Jeffreys décide de rester exactement. 24 ans, est à la recherche d'une place de titulaire. Ok. Bon, on n'a rien de fou. On va continuer, hein, les gars, tout simplement. Et encore une offre, le Sporting. Non, merci. Tac. On est parti. Dommage que ce soit des matchs amicaux, parce que, ouais, comme j'ai dit, c'est pas très excitant, mais bon. On rentre 30 minutes, pardon, face à l'Irlande. Après, je suis pas sûr d'avoir les stats pour, mais on va s'essayer, les gars. Hop. On est pas mal ici. Normalement, il est pas mal s'il saute pas. Oh là là, la barre. Et c'est bien ce qu'on propose. Quelle passe, quelle passe. Et bien sûr que je me dois de marquer. Encore une fois, 3 matchs. 4 buts. Non, 5 buts même. On a mis un triplé, putain. Incroyable. Ça fait plaisir. Dommage de ne pas avoir mis ce coup franc. J'ai mis à peine trop de force. Mais en tout cas, là, on finit bien. Oh là là, la frappe. Bien joué. Je suis passé. Derrière. C'est bien fait. La belle occasion, mais c'est à côté. Pas sûr que je vais en faire grand-chose, mais je vais essayer. Ok, elle doit être un peu forte, à mon avis. Ouais. C'était pas la meilleure, la meilleure qu'on ait vue. Mais bon. 2-0. On a marqué, pardon. Et
On est très bien. Bon, par contre, ouais, c'est pas le plus excitant comme compétition. Enfin, c'est même pas une compétition d'ailleurs. Amico. En tout cas, on a bien joué. Ça fait plaisir. On prouve au coach qu'on va être là dans les grandes compétitions également, j'espère. On va continuer jusqu'au second match. Hop, on va voir. Ouais, bah, du coup, ouais, il n'y a même pas de classement, mais en Liga, je voulais regarder. Ok, quatrième. D'accord. Ouais, on a pas mal de boulot hein, pour remonter. Au moins 9 points. On verra ça. On va voir les infos. Rien. Ok. C'est dommage. Putain, j'avais pas vu. 78 millions ils avaient offert pour moi. C'est fou. Est-ce qu'on était dans les meilleurs de la semaine? Non? Putain. Ok. Ah ouais, mais après, c'était avant le match face à Elche, je pense. C'est ça le problème. Allez, on rentre. On mène encore une fois 1-0. Et on rentre pour 26 minutes. Quel poste? Parce que, ouais. Ok, buteur. Ça marche. Allez. Je suis chaud. Et le changement donc autorisé Faut par la gagner règle ce du terrain de match. jeu. Oui, un changement qui va pour moitié de terrain. Ça appuie La touche pas derrière. mal. Bien joué. Je peux passer. Je peux passer. Je Attention, peux passer. Oh là là. Ok. Il faut être On précis car récupère. récupérer le ballon. On récupère. Je vais y aller seul. Oui, il faut Je vais frapper y aller seul enroulé. Oh là là, la extérieur. parade. Bien joué. Je progresse pour Je t'ai vu, Colomani. t'es tout seul frérot. T'es tout seul, tu Pour pouvais Colomani. avancer, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est bien emmené? Je suis passé. Allez. Allez. La petite balle. Oh là 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 là, dommage. Là, je pense que j'aurais dû mettre de la force. Oh que c'est bien fait. Oh que c'est bien fait. Je peux pas la louper. Ouverte, la Et porte pourtant arrière. si. Le ballon pour Barella. Bien joué. Allez. Il faut que je Attention, il faut marque. frapper. Oh Attention, il putain, faut mais frapper. quelle parade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai mis du temps, j'ai hésité entre tirer, centrer, ça allait très vite. Pas de but pour moi dans ce match, pourtant j'en aurais frappé des Une balles. victoire d'un but Mais c'est face à passé. Galatasaray. Très bon gardien en face et ouais, Oui, mauvaise contre l'attaque finition adverse. qui font qu'on gagne quand même ce match, mais bon. J'ai pas marqué, dommage. Et du coup, on passe au dernier match de la vidéo qui se jouera du coup en Liga, si je me trompe pas. Ouais. Ok, on va tout d'abord s'entraîner. Voilà. Continuer. Encore une offre, l'Espagnol Barcelone. Franchement, ça se ferait pas de les rejoindre. Ils sont devant nous. On va continuer encore. Et encore une offre. Putain, Milan AC. Décidément, la Serie A, ça ne s'arrête plus. Allez. On est parti face au Betis Séville, qui, si je me trompe pas, sont bien classés. Ah, pas tant que ça, ok, je pensais. Ils sont combien? 13e. Et nous, avec cette victoire, est-ce que ça nous amènerait quelque part? Bon, déjà, devant le FC Barcelone, qui a un match d'avance. Et à égalité avec l'Espagnol Barcelone, du coup, qui m'a fait l'offre de transfert. Ce serait cool de les rattraper pour pouvoir pointer cette troisième place du doigt. On va juste regarder les infos. Comme d'habitude, 72 millions ils ont proposé. Ok. Rétafé. Bon, rien sur nous. À part que je décide de rester pour la énième fois. Mais on va y aller, les gars. Jouer match. Face au Real Betis. Stadio de la On est chez Catalogne nous, pour suivre cette face au Real rencontre. Betis. On se Rafa doit de Silva gagner ce et dernier Vinicius match de la vidéo. Junior d'Adsar. Et l'action, encore, ok, part bien, et c'est dedans. Ah, vraiment, ils sont chauds, le Betis, là, depuis le début de la rencontre. Et quelle frappe il a envoyé, Lindström. Oh là 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 là. Imparable. Allez, je la laisse passer intelligemment et je vais avoir mon duel. Je vais avoir mon duel, mais belle parade, c'est fou. Allez, oh là là, incroyable!
Quel but! Oh, c'est grave, ça a tourné au vinaigre pour la défense, le gardien et le défenseur qui se sont pas parlé, ou alors ils ont voulu nous donner le but, mais dans les deux cas, ouais, c'est une catastrophe. J'ai voulu aller presser, je sais pas si c'est ce qui l'a fait stresser. Pff, deux tocards, merci les frères. Un but partout, les gars. Franchement, égalisation inespérée. C'est donné de leur part, merci à eux. On était pas mal en plus en fin de première période, donc qui fait plaisir ce but, même si c'est pas nous qui l'avons mis. Mais ouais, faut gagner ce match maintenant. Oh non, il est tout seul, ben ouais. Mais on a fait une paire de balles tellement bête au milieu de terrain. Je crois que c'est à guerre, mais qu'est-ce que c'est mal fait. Et après, personne ne revient défendre, il se retrouve seul. Et il finit logiquement. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Oh, il y a personne, les gosses. Hein. Je vais devoir revenir. Je vais devoir revenir une fois, deux fois, trois fois. Décalé. Il me la remet. Il faut que je finisse. Mais quel arrêt! C'est quoi ce taré de malade? C'est fou. Ok, je sors. Ok, moi j'ai rien demandé, mais c'est dommage, j'aurais peut-être pu marquer un but. On va simuler la fin du match, les gars, on sait jamais. Ah, ça fait plaisir, on a égalisé. Wai, celui qui rentre à ma place, bah écoute, bien joué, coach. Hein. Coaching payant. C'était pas mon meilleur match, mais j'ai pas fait un mauvais match. Donc bizarre qu'il me sorte. Mais bon, bref, écoutez, ça me fera reprendre de l'énergie pour le prochain épisode dans lequel on aura l'Europa League de retour. Même si je pense que peut-être qu'en Europa League, on sortira avant, maintenant qu'on est qualifié. Ça dépend si on est premier assuré ou pas. On verra ça, on découvrira ça tranquillement dans le 28e épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.